Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic The Gathering Arena. Et donc on va faire un petit tour d'horizon, un petit peu d'où en est le jeu, avec déjà les missions. C'est lancer 20 sorts blancs ou verts, lancer 30 sorts rouges ou blancs et jouer 20 terrains, 25 terrains. Donc ça veut dire qu'on peut jouer, je peux jouer, tenter ces missions avec le deck, un deck blanc tout simplement. Hop, et ben écoutez, standard avec classement. Allez, je vais jouer avec mon deck blanc. C'est vrai que je pour l'instant, j'alternais pas mal ces derniers temps. Oula, la validation du deck a échoué. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir à l'intérieur. Il y a peut-être un problème de carte. Mes decks. Ah ouais, ben il y a un petit souci, c'est que j'ai plus de deck du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on va revenir en arrière. Alors, hop. Armée angélique. Je pense qu'à mon avis, c'est les dernières évolutions. Effectivement, je peux plus jouer l'aspirante luminarque. La classe claire, je peux plus la jouer non plus. Valkyrie juste. Oh bah ça va pas être sympa. Alors il manque des cartes. Et annonciatrice, Valkyrie. Ouais. Bon bah écoutez, il manque plein de cartes qui étaient super intéressantes à jouer. Il va falloir reconstruire un deck blanc à partir de ce qui est disponible. C'est reparti les amis, on va essayer de construire tout ça, on va essayer de trouver des cartes intéressantes. L'adepte des coursiers a une force et une endurance de base de 5-5 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 mana. Ok. Après il défend 0-4. Allez, on va aller le mettre dans le deck. 3, oui j'en ai qu'un, bon bah c'est pas grave. Lui, entraînement, ok, il a un 2. Retirez 2 marqueurs des créatures que vous contrôlez. Oh non, bon. Autorité de la régente. Célébrant impie. Ok. C'est vrai que je découvre je refais un tour des cartes parce que je me rappelle plus ce qu'il y a. Bon, c'est vrai que c'est dommage. Et en fait, c'est beaucoup de cartes que j'aimais bien jouer. Ouais, qui sont plus disponibles du tout. Alors, éphémère, non, ça m'intéresse pas. Sacrifié, ok, on continue. Lumière perçante, affiche de blessure, une créature attaquante, non. Là j'ai plus de cartes, j'en ai plus que 47 sur 60. Donc, vol, pour 4, engager une créature ciblée, non, ça m'intéresse pas, elle est pas assez puissante. J'aurais aimé avoir des cartes qui se démultiplient. Non. Eh ben. Ouais, en fait, je vais être obligé de faire les missions avec un deck blanc, mais. En fait, les cartes, elles m'amusent pas tellement, en fait. Elles sont pas très sympas. Alors, c'est quoi? R de l'immunisation. Regarde 2, vous gagnez 2 points de vie, exigez 7 saga sous votre contrôle. C'est essentiellement 2-2. Bon, ok. J'essaye de faire un tour d'horizon. Double initiative. Lui, il a vol et vigilance. Bon, j'ai déjà, bien sûr. Chaque fois que l'herbaliste devient engagé, vous gagnez un point de vie. Et regarde 1. Est-ce que j'ai des cartes qui gagnent des plus 1 à chaque fois que j'ai un point de vie? Voix des bénis, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur la voix des bénis. Ok, et eh ben on va aller mettre celle-là. On va aller la jouer, bon j'en ai qu'une mais. Ok, Castana ancestrale. Vigilance et enrôlement. Ouais, c'est pas assez puissant je trouve.
chaque fois que le passant paniqué ou notre tour meurt, vous gagnez un point de vie. Voilà, on va la mettre aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette saga? Pour chaque artefact enchantement que vous contrôlez. Ouais. Bon, bah j'ai du mal à... prendre ça. Chaque fois qu'une aura arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, bon ok, non. Tueuse de vampire. Chaque fois qu'elle inflige des blessures à un vampire, détruisez cette créature. Bon. Ah, est égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Bon, celle-là, elle peut être pas mal. Je la rajoute. Lien de vie et perturbation. Ouais, je rajoute. Je suis à 53 sur 60. Défenseur, vol et vigilance. Je prends. On va tester, il faut tester. Il a vol et pilotage de 1. J'en mets un. On va mettre ça. Faut que je teste. Hein. Alors ça permet en même temps de faire un tour d'horizon de toutes les cartes disponibles. Plus que 3 cartes à rajouter. Pendant votre tour, si vous contrôlez. Bon, là, les amis, je fais un vraiment. Alors, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 arcane, le vol. Et. Le vol et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Pour 1 et 2. Allez, je prends les 3. Allez, hop, on va les jouer avec ça. Alors, c'est vrai que les cartes qui m'ont été enlevées, c'est des cartes que j'aimais beaucoup jouer. Qui était assez forte. Je suis un peu déçu parce que là ça repart à zéro à chaque fois et il faut trouver des cartes que l'on aime jouer et avec lesquelles on va se faire plaisir et c'est vrai que moi je me faisais bien plaisir avec ces cartes là. Alors j'ai pris tout un tas de cartes différentes. Comme vous avez pu le voir, mais qui permettent alors de découvrir leurs effets. 3-3 et un coup de 2. 2 de vie. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne.
Après, moi, j'ai pas de super carte, ça va être compliqué. Il est faible en fait ce deck blanc. On va voir ce que ça va donner. Joue plus. Alors s'il a abandonné, qu'il est parti, c'est quand même bizarre. Bon, c'est dommage, j'ai l'impression qu'il est parti en fait. Bon. C'est un premier combat un peu bizarre, hein. J'aurais préféré quelqu'un qui joue parce que bon, je pense pas que j'ai un deck fort, j'ai pas grand-chose dans mon deck. Il n'y a rien de construit, c'est des cartes au hasard. Les cartes que j'avais qui étaient fortes en fait, ben, je pouvais plus les jouer. Et malheureusement, j'ai dû les supprimer pour continuer à jouer en standard avec classement. Ah, il est parti. Bon, zut, c'est pas terrible. Bon, ça permet d'avancer dans les missions quand même, hein, mais bon, je vais repartir, mais je suis pas. Ah, je me faisais un plaisir de repartir avec un deck blanc, mais malheureusement, j'ai dû le modifier. Alors, lorsque vous obtenez un badge de rang, vous ne pouvez plus le perdre à la fin de la saison. Ok. Donc ça, oui, c'est à chaque fois qu'on change de rang. Alors. Oula, il y a un coup de. Il y a des coups là. 2, 2 et 1. Ok, bon, je peux jouer quand même, donc on va garder.
coût de 1 en plus. Elle est vraiment pas chère cette carte, les amis, hein. Elle coûte que 1 mana noir et on peut détruire une créature de force et d'endurance totale inférieure ou égale à 5. Bon, c'est juste un... voilà. Si je mets lui, si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, transformez le passant. Ça peut être intéressant. On va le tester, on va voir ce que ça donne. Oui, en plus il a contact mental. Alors on va essayer de pas d'attaque et on va essayer de le contrer, on va voir ce que ça va donner. Ah, ça va être compliqué là, mais bon.
Non, je peux plus le bloquer là. Ouais, c'est fini. Plus rien à faire. On va essayer de récupérer un point de vie, mais bon. Incroyable! Alors là, les amis, je reviens pas. Je suis surpris moi-même d'avoir gagné ce combat. Oh, c'est invraisemblable. Ah bah, dites donc. Je crois que c'est une des victoires les plus incroyables que j'ai pu faire. Surtout que c'est un deck. Voilà, vous avez vu, j'ai rajouté des cartes au hasard. Franchement, j'ai essayé plutôt d'avancer dans le jeu. J'ai pris un risque énorme. Parce que je l'ai contré avec tout ce que j'ai pu. Bon, j'ai pas trop eu le choix en même temps, mais au fait qu'il me tue, moi, mon coéquipier, mon serviteur, ça m'a permis de gagner un point de vie. Et donc, à ce moment-là, qu'il m'en reste au moins un pour pouvoir jouer. Alors là, c'est invraisemblable. C'est un retournement de situation assez phénoménal. Là, je pense que même lui, il s'attendait pas à un truc pareil. Mais là, c'est incroyable, les amis. Cette victoire, elle est hallucinante. Ah, attention, mon deck, il est pas, je juge pas super fort mon deck. Hein. Là, mais j'en reviens pas vraiment, pas du tout. Bah non, reviens. Ah bah il a abandonné avant que, alors il a pas dû avoir des cartes sympas. Oh, ça m'a même pas permis d'améliorer les statistiques, c'est dommage. Bon, ça fait quand même quelques pièces d'or récupérées. Je suis encore loin des missions, hein. Je suis à 10 sur 25, 14 sur 30 et 14 sur 20. Allez, on est reparti. C'est vrai qu'elles coûtent cher ces cartes. Heureusement j'ai ces deux là, mais bon après. 4 de mana et là 6. C'est vrai que celle-là j'ai pu la jouer, mais c'est miraculeux. J'ai pu la jouer sans avoir perdu surtout. Là en plus j'ai mis tout un tas de cartes différentes qui ne sont pas forcément complémentaires entre elles. Donc les amis, c'est pas forcément un bon exemple. Hein.
oui, il attaque deux fois. Oh, faut que je fasse gaffe. J'aurais peut-être dû la contrer. Bon, c'est pas grave. Elle va être embêtante. Bien joué. Bon, je suis un peu coincé là. Ouais, parce que j'ai perdu l'autre. Ah, j'ai mal joué. J'ai enlevé mon autre créature qui m'aurait permis de poser l'autre carte. Ok, bon, c'est pas terrible. Ah, j'ai mal joué. J'attaque pas exprès, mais bon. Je vais pas le bloquer le reste, ça sert à rien. Thank you.
Bon. Eh ben. Waouh. Tester ça, on verra bien. J'ai récupéré quand même 8 points de vie avec ces histoires. C'est pas mal. C'est mieux que tout à l'heure. Mais lui, il faut que je fasse gaffe à lui qui a la double initiative. C'est lui qui est dangereux. Après, il a peut-être plus de sorts. À chaque fois, il mettait des marqueurs, des machins comme ça. Il en a peut-être pas non plus des dizaines hein, dans son deck. C'est marrant. J'aurais pas cru que mon deck, je puisse jouer avec. Franchement. Franchement, les amis, je pensais pas du tout. I know there's a hero inside you.
This is your fight. Win it. Eh ben, c'est un combat vraiment étrange, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bloquer lui. You better give up now. Oh, y a, encore une victoire. Oh, oh, c'est énorme. J'en reviens pas, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce deck où j'ai mis n'importe quoi et j'arrive toujours à m'adapter, à avoir des combinaisons de fou. Alors que c'est mal barré. Franchement, c'était très mal barré. Mais comme le combat d'avant. C'est hallucinant, les amis. J'en reviens pas moi-même. Franchement, je suis super étonné. Ah, ben, je récupère ensuite des belles récompenses. J'ai récupéré aussi des points d'expérience, récupéré, ok. Écoutez, les amis, j'ai quasiment réussi les trois missions, il me reste pas grand-chose. Franchement, c'est vraiment une vidéo assez étonnante. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour aujourd'hui. Vraiment, je suis reparti de mon deck blanc, j'ai dû supprimer toutes les cartes qui étaient plus utilisables. J'ai repris des cartes. Au fur et à mesure, j'ai balayé toutes les cartes que je, enfin, qui étaient proposées, que j'avais disponibles.
dans ma réserve et j'ai rajouté des cartes au fur et à mesure. Bon, y en a plein de cartes que j'ai rajoutées où j'ai mis qu'un exemplaire parce que je connais pas leurs effets, faut voir, faut les tester et tout ça. Et je me lance dans des combats derrière et alors je fais deux combats hallucinants où je fais deux victoires qui sortent de nulle part. Vraiment les amis, c'est incroyable. Alors ce jeu, vraiment Magic the Gathering, est carrément incroyable. C'est un jeu de cartes incroyable. Je suis bien content d'avoir pu en plus vous le proposer en vidéo. Parce que c'est vraiment... J'ai testé les decks. Vraiment, là, comme ça, je ne savais pas. Je me suis adapté pendant les combats. Contrairement à des joueurs qui jouent avec des decks qui sont depuis longtemps, qui sont adaptés, enfin voilà, qui connaissent toutes leurs cartes. Là, j'ai dû vraiment composer vraiment pendant les combats. Et je ne m'attendais pas à vraiment renverser deux combats de suite. C'est pas sur des pâquerettes. Le premier, j'étais à un moment, j'étais à zéro, mais j'ai gagné un point de vie en mourant, un serviteur qui est mourant, donc j'ai fini à plus 1 uniquement de points de vie. Alors le deuxième, c'était mal embarqué, et puis j'ai pu m'en sortir. Incroyable les amis. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.